Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment optimiser votre blog WordPress. Une fois que votre blog est installé, vous vous rendez en fait sous le tableau de bord et directement sous réglages permanents. Ici, vous avez depuis peu, donc depuis les dernières versions, la possibilité de directement cocher sous l'option nom d'article. Vous donnera une structure avec votre nom de domaine slash et le nom de la page ou le titre de l'article directement. Donc c'est vraiment la structure optimisée pour les moteurs de recherche. Si vous avez une plus vieille version, vous n'avez peut-être pas cette option là. Donc vous cliquez sur structure personnalisée et vous rajoutez postname comme c'est indiqué ici. Oubliez les deux slash et le pourcent deux fois. Et avec cette structure, vous obtenez exactement le même résultat que ici. Maintenant, au niveau des plugins, il existe toute une liste et une multitude de plugins que vous pouvez installer. Maintenant, pour optimiser le référencement de votre blog WordPress, je vous conseille d'utiliser, premièrement, All-in-One SEO Pack. Ça vous permettra d'avoir pour chaque page, pour chaque article, un titre, une description et des mots-clés différents. Comme ça, c'est vraiment optimisé. Ensuite, Google XML Sitemaps. Donc, ça vous permet de générer automatiquement votre sitemap. Donc, le sitemap, c'est simplement un plan de votre site, une arborescence qui est après soumis à Google. Si vous avez des vidéos, vous pouvez utiliser le plugin, le même plugin, mais qui s'appelle Google XML Sitemap for Videos. Donc ça vous permet là à nouveau d'avoir un plan du site pour vos vidéos. Donc ça c'est vraiment avec All-in-One SEO Pack, on va dire les 2-3 plugins les plus indispensables en termes d'optimisation. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.